camarades. Regarde, là, ils se font la bise. Ils se font la bise. Demain, on sort les couteaux. Pomme. La marque Aix. C'est la pomme. Jus de pomme. Jus de pomme. Parce que j'ai frontigné. C'est sucré ou pas sucré celui-là? C'est sucré. Et j'en ai. Nous démarrons en douceur par la route goudronnée pour quitter la vallée et remontons les gorges du Sègre au bord d'un torrent tumultueux. Il nous introduit au cœur de la montagne, au pied des pentes boisées. Marie-Odile nous donne ses impressions. Je n'oublie pas la bonne ambiance dans le groupe qui rassemblait des personnes de tous âges, étudiants, retraités, salariés. Cette diversité, au lieu de mettre une distance entre nous, a beaucoup enrichi nos échanges. Les mains gelées. Surmontant les pâtures à vaches et les zones boisées, nous évoluons dans de grands espaces herbeux et nous rentrons dans le royaume de liberté des chevaux pyrénéens. Oh, oui. Les premiers névés nous annoncent un nouvel étage avoisinant les crêtes. C'est là qu'évoluent des hardes d'isards, alors que le bleu des gentianes éclate entre herbes et rochers.
Malgré le travail fatigant qu'il fournissait la journée, chaque accompagnateur était partant pour installer le campement à la tombée de la nuit. Préparation des repas, douche à l'eau glacée des torrents, tous, valides et invalides, étaient concernés. À la manière népalaise, on enduit la casserole d'une boue protectrice contre la suie. On se croque pas les gens. Prends une olive maintenant. Allez, prends une olive. Là-haut, là-bas, sur la montagne, c'est le bonheur. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je bivouaquerais, que je dormirais dans un refuge, que je traverserais des névés, que je monterais à près de 3000 mètres d'altitude, je ne l'aurais pas écouté, le faisant même taire pour que cela reste un rêve pour moi. Pourtant, cela s'est réalisé durant ce séjour dans les Pyrénées-Orientales. T'as dormi ? Bonjour tout le monde. Oui, ça a été. Ouais. Les maniements des joëlettes étaient très physiques et demandaient de gros efforts aux accompagnateurs. Je pense surtout à ceux qui ne connaissaient pas ces appareils, mais qui, grâce au conseil permanent des plus aguerris d'handicap évasion, se sont très bien débrouillés. Un superbe panorama s'offre à nous en haut de la crête frontière du Pygmal de Sègre. Pour une fois, personne ne pouvait me cacher la vue, comme les mouvements de foule en jeu. À ce moment-là, je dominais une partie des montagnes espagnoles et françaises. Et un sentiment de fierté m'envahit, moi qui perçois toujours les choses plus bas que les autres, fauteuil roulant oblige. Est-ce que tu es heureuse ici ? Oui. T'es déjà monté aussi haut, ouais, à 2600 mètres comme ça? Un joëlette, non? Oui, non. Non. Oui. Après les brayeurs du névé. Ah. T'as peur dans les névés? Non. Mais là, pour passer, oui. On s'en est vu. Ah, ben ça, c'est beau les névés. Hein. Oui. Ouais. J'aime bien, ça me plaît. Et ici, t'es dans le grand vent des sommets, là, hein? La belle lumière, le beau soleil. Le beau soleil, ouais. Et tu as bien dormi cette nuit en bivouac? Ouais. Paraît que t'as glissé en bas de la tente. Hein? Oui, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On dort bien par terre, quand même. Eh ben, c'est bien. Longue descente sur des balcons d'herbes et de rochers, parfois impressionnants, mais joliment tapissés de couleurs d'or, des genêts flamboyants et des gentianes.
Doucement. Non, non, c'est devant. J'en suis un peu moins que les premiers jours. Au bout du troisième jour, ça devrait aller de mieux en mieux. Les bivouacs, parce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il n'y ait pas un touriste. On a vraiment la montagne pour nous. Et ça donne un petit goût de comment dire, d'inaccessible. Oui, le fait qu'on soit seul, je trouve ça formidable. Quoi. Voilà, autrement le jour il fait bien chaud, la nuit il fait bien froid. Au-delà de la station de Formiguère se présente le parc national de Camporeils. Après les pâturages, les sous-bois fleuris de rhododendrons, après la traversée d'une forêt de beaux pins à crochets, nous abordons les crêtes qui s'étalent dénudées sur une magnifique longueur. Puis, c'est la plongée sur les vallons verts sombres servant d'écrin aux nombreux lacs d'un bleu profond. Ah mais il n'a pas d'UV en plus. Notre ami Carac semble penser que ces Gaulois sont bien fous. Et ça le fait marrer. Quant à lui, il préfère son bain terrestre. Mais t'es méchant parce que ça commence à geler. Hein. Méditation au bord du lac, près du Calta ensoleillé, et la renoncule des glaciers qui étale son tapis blanc pour la promenade de Nicole. Dès la sortie du lac, les eaux du torrent poursuivent leur furieux voyage. Ah, c'est formidable. Ouais. T'as vu cette belle eau, ouais. Ces beaux arbres, ouais. Les belles fleurs. Ouais, et la neige aussi. Ah oui, et la neige aussi, oui. Les lacs de loin, ouais. Sont chouettes.
Nous sommes à 2170 mètres et notre ami Henri découvre que l'eau est bien moins chaude que dans l'océan Indien. A mis la main à la pâte pour assurer la réussite de ce séjour. Même Carac, notre âne porteur, qui porte très bien son nom. En provençal, Carac signifie gitan, c'est-à-dire gens du voyage. Mais il n'a pas le coup assez lent pour faire une bise. Allez, 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 un Carac. Allez.
Salut les amis. Sacrée bouteille, jolie bouteille. Elle descend de la montagne, 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 Yuppie, 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 yupp